Coucou les amis, c'est Sandra. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous avez bien dormi cette nuit. Que vous vous êtes réveillé avec une énergie à toute épreuve, prêt à affronter cette journée et en faire ce que vous avez envie qu'elle soit dans la mesure du possible. Évidemment, s'il y a des problèmes sur votre ligne de métro, s'il y a des embouteillages, si quelqu'un vous marche sur le pied, vous ne pouvez rien y faire. C'est pas vous qui contrôlez. Mais vous pouvez contrôler votre réaction. Est-ce que vous allez vous énerver? Est-ce que vous allez plutôt prendre un bouquin ou euh, aller sur votre téléphone et puis euh, travailler sur un truc je ne sais pas moi euh, par exemple améliorer votre anglais avec euh, une application euh, ou bien euh, ou bien euh, écouter euh, une vidéo inspirante de Sandra Ganval qu'est-ce que vous allez faire au lieu de vous énerver inutilement? Est-ce que vous allez vous laisser porter par la vague ou bien est-ce que vous allez enfourcher votre surf et... Euh, et euh, voguer, enfin, comment on dit ça déjà Et chevaucher, voilà. Est-ce que vous allez chevaucher la vague ou est-ce que vous allez laisser la vague vous, 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 vous noyer C'est ça la question. Ok, donc j'espère que vous êtes réveillés avec une bonne énergie. Moi ce matin, je me suis réveillée avec une super bonne énergie, donc euh, je suis contente, ça fait plaisir quand on se réveille le matin, qu'on a envie de chanter, on ne sait pas trop pourquoi, mais on est joyeux, ben, ça fait plaisir, donc il faut vraiment, euh, euh, quand, quand je ressens ça, ben, je, je, je le vis, quoi, je le vis. Euh, je le vis avec bonheur parce que c'est pas tous les jours que je me réveille avec cette, avec cette énergie là. Euh, Aujourd'hui j'avais envie de vous parler du fait justement de se laisser euh, de se laisser justement euh, balayer par la vague au lieu de surfer sur la vague. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Gagneva. Je suis écrivaine, auteure, autrice indépendante. Et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous présente mes ouvrages. Je suis l'auteur de plusieurs romans, nouvelles, et vous les trouverez tous, toutes sur la plateforme Amazon. Donc, si vous aimez ce que vous trouvez sur cette chaîne, eh bien profitez-en pour retrouver mon univers dans mes livres et eh ben achetez-les, lisez-les, laissez-moi des commentaires et des étoiles sur la plateforme, partagez-les également. Je vous invite aussi à découvrir des formations, des formations que j'ai faites et que vous trouverez euh, juste en dessous de cette vidéo, vous trouverez les liens, donc des formations pour vous, pour vous aider si vous avez des projets d'écriture. Donc ce sont des formations qui sont offertes. Donc allez-y, profitez-en. Et puis, je démarre une nouvelle carrière. Je suis euh, en formation pour devenir coach. J'accompagne des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire ou bien qui souhaitent prendre ou perdre du poids et qui ont envie d'un accompagnement euh, sans jugement, évidemment, dans la bienveillance, dans une écoute très, très intensive. Euh, voilà pour ben, euh, arriver à trouver des solutions par rapport à ce genre de problématiques. Fini la page de promotion. Donc je voulais vous parler euh, du fait de se faire envahir, euh, de se faire submerger par la vague, en fait, plutôt que de la surfer. Eh bien, surfer la vague, surfer la vague, même si c'est difficile, même si c'est, euh, euh, je sais pas, en étant couché sur la planche et puis euh, en battant des bras. Mais surfer la vague, ça veut dire je vois par exemple euh, les perso deux personnes que, qui s'étaient engagées avec moi par rapport euh, au, au coaching, par rapport à l'accompagnement, euh, euh, donc pour que je puisse me former. Donc des personnes qui ne me rémunèrent pas, euh, mais qui se sont a priori engagées. Et puis finalement, il y a tellement, je sens, je sens qu'il y a tellement de difficultés en parallèle euh, que ben c'est compliqué quoi. On n'a pas eu de nouveaux rendez-vous. C'est extrêmement difficile pour elles. Je le sens bien. Et en fait, ce que je me dis, c'est euh, euh, comment on fait par rapport à, aux difficultés et à quelque chose euh, pour lequel on, on a décidé de s'engager. Euh, si j'ai décidé ben, de, 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 de perdre du poids, si j'ai décidé d'écrire un roman, euh, je mets un peu les choses sur le même sur le même plan parce que euh, euh, parce que je trouve que finalement, ça se ressemble beaucoup parce que euh, ça va être, euh, c'est pas que ça évidemment pour euh, la perte de poids, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent venir se greffer, mais c'est aussi une décision qu'on prend, c'est une décision qu'on prend et euh, c'est mettre en place des euh, choses, des, des, des habitudes, des habitudes quotidiennes euh, pour atteindre cet objectif. C'est euh, se contraindre. Voilà, parce que je pense que le problème, c'est qu'on a cette notion des choses qui se font facilement. On n'aime pas quand ça devient difficile. On n'aime pas euh, quand bah, il faut souffrir. On n'aime pas euh, quand il faut euh, il faut il faut se contraindre. Mais c'est la vie, c'est beaucoup de choses comme ça. En fait, c'est beaucoup, c'est souvent comme ça la vie. Il faut se contraindre, euh, se, euh, être être son propre maître dans un sens être son maître être souverain de, de soi-même de son corps et de son esprit je ne dis pas qu'on y arrive tout le temps mais euh, si on a envie de faire un truc qui est difficile pour nous ben il faut se mettre dans la tête que ben oui à un moment donné ben il va falloir être plus fort que soi et il va falloir se battre contre soi ou entamer une danse euh, une battle une battle avec soi-même le côté qui dit euh, bah vas-y mange du sucre c'est pas grave vas-y mange mange tes féculents c'est pas grave mange autant que tu veux mange autant de glucides que tu veux euh, suis tout ce que te disent euh, te dit la doxa officielle sur l'alimentation c'est pas grave tu vas voir tu vas tu, tu vas maigrir quand même mais non, ça ne se passe pas comme ça, je peux vous le garantir. Et puis pour l'écriture d'un roman, ben, c'est pas grave, tu n'as pas écrit cette semaine, tu écriras la semaine prochaine. Sauf que la semaine prochaine sera toujours aussi compliqué d'écrire parce que c est, c est, c est, ça peut être. Il y a des gens pour qui c'est extrêmement facile. Moi, je fais partie des gens pour lesquels c'est difficile. Donc si je me pousse pas au cul, si je ne me, si me dis pas, ben, tu t'assieds là maintenant sur ton, sur, ta, sur, ta, sur ton fauteuil et puis tu te mets devant ton ordinateur et puis tu écris. Ok, 5 minutes. Euh, ok, un petit, une petite pause. Allez, on reprend parce que je ne sais pas, ce processus est, 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 est lourd et difficile. Voilà. Et, euh, et pour ne pas manger de sucre, eh ben, c'est lourd et difficile parce qu'on est, on est, euh, est shooté au sucre, on est drogué au sucre. Euh, ça fait partie du monde occidental. Euh, vendre du sucre, ça rapporte énormément d'argent. Les normes qui ont été imposées depuis, euh, depuis les années 60-70, euh, ce sont pas des normes de santé, c'est des normes qui ont été euh, mises en place par rapport à des lobbies industriels. Voilà, donc, bouffer du sucre. Euh, Détruisez-vous, euh, ayez du diabète, euh, ayez des cancers, parce que ça, ça nous rapporte de l'argent et continuez. Réfléchissez pas surtout, euh, voilà. Et pour ce qui est de la création, et eh ben laissez ça à des personnes qui, euh, euh, qui sont, euh, qui, qui acceptent les les, les rouages du système, qui acceptent de rentrer les, dans les rouages du système. N'écrivez pas ce que vous avez envie d'écrire. Euh, ne vous, ne vous, ne vous challengez pas surtout, parce que c'est trop difficile, parce qu'on souffre. Hein, on est tellement bien dans dans, dans son quotidien. Euh, dans son quotidien euh, ramolo, où on ne fait rien, où on est soumis, on est passif. C'est tellement bien d'être passif, en fait. Euh, voilà, donc dans ce monde, c'est un peu ça. Euh, si le monde va comme il va aussi, c'est ça. Hein, c'est notre passivité de citoyen, notre acceptation d'un peu tout, euh, le fait de trouver normal qu'on nous impose des trucs qui ne sont pas normaux. Mais voilà, on est là-dedans, et puis euh, voilà. Mais si vous en avez marre de. D'être balayé par la vague, et si vous avez envie plutôt de surfer sur la vague, bah, ben moi, je vous invite, hein, je vous ai dit, hein, je, je, je suis à la recherche de cobayes en ce moment, hein, donc si vous voulez travailler avec moi, c'est le bon moment, c'est le bon moment, venez, 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 même si je suis dans, dans, dans l'idée que euh, travailler gratuitement, c'est pas, pas bien, parce que les gens, ils se, les gens, les gens, ils se challengent pas quand il n'y a pas d'argent en jeu, je pense, hein, donc euh, voilà, mais en tout cas, comme j'aime bien être cohérente avec moi-même, pour l'instant je suis dans cette phase de formation. Donc si vous voulez bosser avec moi, si vous avez des problèmes de poids et que vous voulez vraiment les prendre à bras le corps, c'est le cas de le dire, n'hésitez ben, pas, contactez-moi, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Voilà, donc bougez-vous dans le sens. Ce n'est pas, euh, pas de la culpabilisation, c'est juste... Il y a un moment dans la vie, il faut prendre des décisions, il faut se décider à faire les choses, il faut se dire ben, que de toute façon, le temps il va passer, le temps il passera inexorablement. Donc que vous fassiez quelque chose ou que vous ne fassiez rien, le temps va passer. Et donc dans, dans un an, dans, dans deux ans, dans dix ans, peut-être vous vous direz Ah, et si, et si j'avais, et si j'avais fait ça, et si, et si, et si. Et, si. et ça c'est le pire en fait. Avoir des regrets, euh, voilà, comme dit l'adage, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Voilà donc euh, remords, c'est-à-dire regretter d'avoir fait un truc plutôt que regretter de ne pas l'avoir fait, en gros c'est ça. Bon bah écoutez, euh, voilà, c'était la vibe du jour, la vibe du jour qui est un petit peu euh, un petit peu secouante, un peu remuante. Bah, vous, vous, vous me direz peut-être si vous voulez euh, co-créer, comme on dit, si vous voulez euh, participer au mouvement euh, qu'il y a sur cette chaîne actuellement, si vous voulez euh, euh, Commentez, partagez votre expérience, voilà, bah, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Dans la bienveillance, bien sûr, sinon je supprime le commentaire sans hésitation. Je ne suis pas là pour me faire agresser, je ne suis pas là pour recevoir des conseils que je n'ai pas demandé, euh, je ne suis pas là pour, euh... je ne suis pas là pour me faire aimer, mais je ne suis pas non plus là pour servir de punching ball, hein, c'est clair. Je vous souhaite une super journée. Je vous remercie de votre passage sur cette chaîne. Je vous souhaite le meilleur, le meilleur pour votre vie. Je vous souhaite le meilleur pour cette journée. Tout comme je me souhaite le meilleur pour cette journée et le meilleur pour ma vie. Bisous, bye bye.